matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce mercredi 27 mars 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors avant de commencer, petite philosophie du matin. Chaque jour qui commence, eh bien, est une page vierge. Une étendue de temps qui n'a pas encore été vécu. On peut y écrire ce que l'on veut. Il n'appartient qu'à soi de décider de réussir cette journée malgré ses contraintes et ses obligations. Voilà la pensée de ce 27 mars. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé l'ange du courage. Oui, quelquefois il nous faut beaucoup, beaucoup de courage par ce que nous vivons. Alors l'ange du courage, c'est la force, la volonté, l'audace. Il est vrai que tout au long de nos jours terrestres, n'est-ce pas, il nous sera demandé de relever parfois eh bien, de très, 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 très grands défis. Il nous faut considérer ces défis comme des apprentissages et de grands enseignements. Chaque événement et situation de notre vie ont pour but de nous permettre de grandir et de changer nos perceptions. Alors, il est évident que nous avons le choix de regarder nos défis et difficultés comme des malheurs, ou alors plutôt comme des occasions d'apprentissage. Nous avons le choix. Est-ce qu'on va s'apitoyer sur notre sort, jouer le petit caliméro, ou au contraire, prendre le taureau par les cornes et dire que voilà, c'est un apprentissage, je vais apprendre. Je suis en plein enseignement. Alors, peu importe, n'est-ce pas, les événements que nous pouvons vivre. Peu importe les événements que tu peux vivre, tu es un soleil fort et lumineux. Si tu ne le sais pas, moi, l'ange du courage, te le dis. Alors aussi, sois courageux dans ton cheminement intérieur et aie le courage de te respecter. Ça, c'est la première chose à faire. Te respecter en premier pour pouvoir respecter les autres. Le courage d'affirmer, eh bien, ta vérité et ce que tes rêves les plus grands te dictent de réaliser. Parce que je suis certain que, que tu fais des rêves et que tes rêves, tu peux les réaliser. Là, on t'invite à ne pas baisser les bras, à ne jamais baisser les bras sur ce que tu considères sacré pour ton cheminement. Et c'est par ton courage que tu deviendras ce phare qui éclaire la vie des autres. Alors, permets-leur, n'est-ce pas, de se sentir inspiré par l'énergie de ta volonté afin qu'ils trouvent à leur tour cette force en eux. Tu sais, si tu montres cette force, cette volonté, cette audace, eh bien, ça peut être bénéfique pour les autres. Être courageux, c'est avancer, c'est prendre
les enseignements tels qu'on nous les met sur notre chemin. Être courageux, c'est ne pas baisser les bras. Continuer. Je chute, je continue. Je tombe, je continue. Regardez Jésus. Combien de fois il est tombé sur son chemin de croix. Il s'est chaque fois relevé. Il a eu le courage de... Le courage, eh bien, le courage s'est allumé et éclairé toute ombre sur notre passage. Soyons courageux. Ayons la force de continuer notre chemin terrestre, même s'il n'est pas facile. Mais nous sommes encore ici sur terre pour apprendre. Tous ces enseignements, on peut dire que ce sont des échecs. Oui et non, parce que un échec, c'est pas complètement un échec puisque nous avons appris. Donc ce sont des erreurs que nous ne ferons plus. Nous sommes ici sur terre pour apprendre. Et c'est par ces enseignements que nous apprenons. Je termine par l'affirmation positive. J'attire à moi l'abondance financière. Mais oui, j'attire à moi l'abondance financière. J'attire à moi l'abondance financière. Être positif et avoir les pensées positives et faites comme un mantra. Voyez, un mantra, c'est parce qu'on répète chaque fois un mot ou une phrase. Répétez comme un mantra, j'attire à moi l'abondance financière, j'attire à moi l'abondance financière. Allez, je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse, à demain.